y a cette date, présidente nationale des femmes et députée à l'Assemblée nationale. Honorable, nous avons été informés que l'honorable Baïti Aribo a subi une attaque hier. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé réellement? En fait, si vous avez remarqué aujourd'hui, il y a beaucoup de membres du bureau exécutif qui sont absents. Donc, il y a des coordinateurs dans les différentes préfectures. Donc, Baïdi était chargé, lui, aujourd'hui, celui qui a l'habitude de diriger, un des vice-présidents, Ibrahim Bangoura, que vous connaissez, aujourd'hui, il est à Dubreka. Docteur Dine même doit se rendre à Fria. Moi-même, je devais être Forcaria aujourd'hui, mais j'ai reporté ça pour demain avec Honora Babra Fofana qui est là. Et Baïdi était chargé d'aller à Koya et à Kindia. Le Koya, il devait continuer sur Kindia. Il est parti avec la cellule POM, avec certains jeunes du bureau national. Ils sont ensemble, dont le premier responsable, qui est même un des premiers responsables qui est de Koya, M. Oufandi Kamal. Donc, ils sont actuellement, devaient faire cette mission pour rencontrer les structures, essayer de renforcer les structures qui ne sont pas aussi dynamiques. C'était la mission qui leur était confiée par le bureau exécutif. Donc, Baïdi, ils ont quitté ici avec ces jeunes-là et la cellule POM pour se rendre là-bas, pour faire ce travail. C'est à notre grand étonnement qu'on apprend qu'ils ont été attaqués à l'hôtel, l'hôtel dans lequel. Ce qui me surprend un peu, que je vois sur les réseaux sociaux, des gens qui se posent la question, pourquoi Baïdi est dans un hôtel? Mais les hôtels sont faits pour habiter les gens. Ils sont en mission de travail. C'est pas pour un jour, c'est pas deux, c'est pas dans la rue qu'il va dormir. C'est pas dans sa voiture qu'il va dormir. Il faudrait bien qu'il trouve un lieu où dormir. Donc, lui, avec toute la délégation, ils sont partis là-bas. Les jeunes qui sont de Koya, eux, ils sont rentrés dans leur famille. Mais en tant que chef de délégation, il est resté dans l'hôtel. Il était avec ses bodyguards. Et puis, bien sûr qu'ils ne sont pas armés. Comme vous le savez, tous les leaders ont des bodyguards, mais qu'ils ne sont pas armés. Donc, Baïdi a été avec ces jeunes-là. Et c'est ainsi que l'attaque a eu lieu. Alors que les gens n'essaient pas de... À quel moment l'attaque a eu lieu? À partir de 20h, que l'attaque a eu lieu. Et il semble que ça continue jusqu'au-delà. C'est à partir de 22h que... Parce que le président a eu à faire appel aux autorités militaires ici pour que vraiment pour qu'on puisse aller voir là-bas. C'est après que le préfet s'est rendu sur le champ et envoyé des renforts pour pouvoir rechercher ceux-là qui sont dans le feu. Mais les gens avaient pris la comtesse en fait pour pouvoir quitter le pont. Ça, c'est vers 22h, alors que l'attaque a eu lieu vers 20h. Voilà exactement ce qui s'est passé. Mais Baïdi est en mission de parti et il est parti avec certains membres du bureau national des jeunes et le groupe de la coordination de Koya et de Kindia. Kindia est déjà en avance. Ils sont déjà dévancés. Après Koya, le travail à Koya, il devait continuer sur Kindia. Voilà exactement ce qui s'est passé. C'est pas lui seul, il y a beaucoup de membres du BE qui sont actuellement à l'intérieur du pays pour faire le même travail. L'honorable Baïdi Aribo est toujours à Koya où il est revenu à Koya. Jusqu'au moment où je. Parce que normalement sa mission doit continuer à Koya. Sur Koya, bon, comme on vient d'arriver, moi je viens d'arriver, je ne sais pas exactement s'il est à Koya encore, ou bien si la mission, malgré l'attaque, il doit continuer sa mission. On va avoir les derniers renseignements avec le secrétaire général du parti. Lors de cette attaque, l'honorable Baïdi a été victime de tir ou c'est quel genre d'attaque? D'autres disent qu'on lui a retiré ses téléphones et quelques sommes d'argent. Oui. D'autres disent que je ne sais pas si c'est tous les habitants de l'hôtel qui ont été agressés. Je n'arrive pas à comprendre les circonstances réelles. Mais c'est lui qui était visé en fait. C'est lui qui était visé. On dirait qu'il était suivi dans sa course. Il a été suivi. Donc quand les attaques ont commencé, il a préféré sortir. En tant que député, il y a beaucoup de monde qui est sur l'hôtel. Il est venu pour essayer d'intervenir, pour essayer de calmer ceux qui ont attaqué, pour leur dire...